Bonsoir à tous, bienvenue sur le live de CrocoFR, hein, et nous voilà repartis sur Seven Dead to Die. Nous allons un peu continuer notre exploration de cet Alpha 12. J'ai reçu en plus des messages. D'affronter sûrement la première grosse vague. Ça promet, hein, ça va être complexe, hein. Bon bah, je sais pas si Jacoz il est sur le chat. Bah, en tout cas là il peut y aller franco. Tu peux le mec là qui vient de parler, tu peux le bannir, hein, casse-toi pas la tête. Lui, ça fait sans arrêt qui balance des liens là. Donc faut pas s'emmerder, hein. Le mec, hein, tu le bannes. Ça fait au moins la quatrième fois que ce gars envoie un lien là sur mes lives là. C'est chiant, hein. Le mec qui se pointe uniquement pour faire sa publicité, quoi. Donc nous revoilà dans notre cabane, hein, dans notre abri. 8h 40. On remonte, hein. D'accord, ça arrive déjà par là-bas. Alors, crafting. On peut pas être. C'est dingue, hein. On peut pas être tranquille, faut toujours qu'il y ait des gens qui viennent faire bordel. Donc là, pour l'instant. Ils m'ont pas vu. Je sais pas s'il y en a pas un qui cherche à prendre l'échelle là. On va le laisser faire. Je sais pas sur quoi il tape. Bonsoir à toi, MIB45. Donc j'ai corrigé pas mal de trucs, là, je suis revenu, je me suis redonné ma wellness là, suite à ce bug là avec l'ours. J'en ai profité en même temps pour parce que là la caisse aussi elle s'est cassée. Donc j'ai remis mes affaires dans un coffre là, que j'ai monté. Je pense que je vais même me construire tout de suite des coffres. Parce que c'est vachement risqué. Hein. Ouais, vas-y, casse-toi pas la tête. Hein. Lui tu le bannes, hein, ce gars-là. Faut même pas s'embêter. C'est slash ban et son nom derrière. Casse-toi pas la tête, qui lui, ça fait moi. Ça fait je sais pas combien de fois qu'il a été averti par Nightbot. Déjà hier, il a fait à deux reprises, il a tenté d'envoyer des liens sur deux lives différents. Et là, à peine je démarre, il recommence, le gars. Arrêtez. Moi, je m'emmerde pas, hein. Je suis pas à la recherche de full de viewers, hein. Moi je veux que le live il soit tranquille, qu'il n'y ait pas des gens qui aient pollué le truc, hein. Alors qu'est-ce que je cherchais? Je cherche ouais, parce que déjà que ça le clavier il est inversé. Merde, je vais fabriquer ce truc, j'ai oublié comment ça s'appelle. C'est un chest. Ouais. S'ils pouvaient partir là les zombies, ça m'arrangerait. Hein. Voilà, tout ça. Je balance ma bouffe à l'intérieur. Garde les bouffes en mouche aussi.
pas. Franchement, le nouveau système. Un peu nickel. Le nouveau système, là, c'est. Faut s'y faire. Hein. Bon, ils font quoi dehors? Oula! Là 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 là! Je crois que, ça, je crois que je l'ai réparé déjà. Merde. J'aimerais bien pouvoir sortir quand même là. Tu vas pas me casser mon équipe, ma porte d'entrée, toi. À côté. C'est efficace, hein, mine de rien, les flèches. Hein. Bing. La bouffe là-bas, mais bon, ouais. Faut y aller le choper. Hein. Allez. Faut que je répare mon, faut que je répare mon arc quand même. Hein. Je répare mon arc parce que. Voilà. Ma terre, elle est posée, c'est très bien. Je m'éloigne un petit peu. J'aimerais quand même bien me le farcir, lui. Parce que j'ai besoin de... J'ai besoin de peau, là, pour faire la... Pour faire le truc, là, la... Ah, j'ai oublié le terme. Il y a un nouvel équipement, un nouveau truc qu'il faut faire pour fabriquer le pour fabriquer le, la forge. Il y a une pièce ça qu'il faut que j'ai avec de la peau. Ah, qu'est-ce que tu viens courir dans cet endroit-là? C'est super dangereux là. Comment aller se péter une jambe avec le cerf? Oh là, quelle galère. C'est quoi ce terrain qui m'ont été me prendre? Je suis en train de faire de la varap là. Là. Je tombe en plein dessus leur truc. Allez. Ah oh là 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 là, quelle merde. Salut à toi, Doudam. Pour un, cet enfoiré, hein. Tu vas t'arrêter, donc? J'ai besoin de ta peau. Je comprends pas, avant on lui met, quand il était touché avec une flèche, il était pourtant, il s'arrêtait. Hein. Il était blessé, il était. Oh, regardez comme il galope le truc. Habitude. On le touchait avec une flèche, il était. On le touchait, il était cuit quoi. Il...
Ça, c'est lequel? J'en profite, hein, lui, il réagit pas. Hein. C'est le moment, c'est le moment que l'arc il lâche. Méfie là parce que j'ai pas envie qu'il y ait un machin qui vienne me. Le système est vraiment. Ça y est, je t'ai eu, toi. Et voilà. C'est une blague? Bon, qu'est-ce que ce truc? Le machin, il disparaît, quoi. Bon, on va. Non, on va essayer de repartir à se mettre dans la maison parce que là, je dois puer à fond avec le truc. Allez, on avance. Alors, l'endroit avec la montagne, c'est vraiment la merde. La carte qui m'a généré là. Oh. Allez, hop. Ah bah, attends. Allez. Ah, c'est pas un ours que je viens d'entendre, hein. Qui ne pas m'emmerder, hein. Ah, l'enfoiré hier, ouais. Il m'a tout défoncé, cet enfoiré. Il rentre. En plus, il triche pour rentrer. Il est rentré par un bug. Et en plus, il me défonce la baraque, l'enfoiré. Nickel. On reprend un peu de stamina. Ça, c'est les projets de sang, hein. Ça, c'est encore un truc qu'ils nous ont pendu, quoi. Alors, on va vider un peu ses poches. Hein. Eh merde. Alors, les pots. Ah, qu'est-ce qu'ils font comme bruit dehors? Hein. Allez hop. Ok, pas de soucis ici, Lyon. Ah, j'ai l'impression qu'il y en a qui frappent à la porte. Eh oh, du calme toi, du calme. C'est mal. Quelle merde là, cette histoire d'échelle là. Il va falloir que je la continue plus haute. Eh bien toi. Vas-y, fais un peu d'escalade, tu verras. Il y en a deux. Hein. Bam! Pas évident, hein, la visée pleine tête. On a pas. Quand on zoome, on n'a plus le réticule. Solide, hein. Allez,
T'en veux combien des flashs pour crever, toi? Oh putain, allez, c'est bon, je vais descendre, je vais t'éclater la gueule à coups de. Je vais balancer toutes mes flèches pour un. Je t'ai dit de crever, toi. Voilà. Super, les mecs ils se décomposent, c'est vitesse grand V. Hein. L'autre, je l'ai buté, il a déjà plus rien, il est déjà tout. Oula, non, j'ai pas craft la mini moto encore. Hein. Salut à toi, JF. Pour la craft, il faudrait peut-être que. Il faudrait déjà que je trouve les pièces au moins. Je suis pas près de la craft, hein, la moto avait déjà. Je commence juste. Hein. J'ai même pas trouvé une seule pièce. Ouais. Ben moi aussi, hein. Moi j'avais fait des tests là, en créatif. C'est mal foutu, hein, ces machins qui dépassent. On peut plus passer droit. Hein. Alors, on va choper. Est-ce que j'en ai assez pour fabriquer le truc là qu'il faut pas. Pour fabriquer la forge. Alors la forge, il faut maintenant un nouveau truc qui s'appelle le billot. Je sais pas ce que c'est. Alors le billot. D'accord, j'en aurais pas assez à mon avis. Alors, il m'en manque deux. Hein. Il manque deux pots pour le faire le truc. Alors. Je vais prendre du bois et je récupère. Putain. Il y a l'autre là. Il y a l'ours à la con, on va s'éloigner. J'ai envie de me faire donner là. Il y a un peu les trucs. Je pense pas que ça respawn. Hein. J'ai déjà tout fouillé la dernière fois. S'ils pouvaient s'attaquer aux autres. Alors. Est-ce que c'est que ça là-bas serait pas un petit sanglier? Ping. Hey, cochon. Arrête-toi. Là, je suis en train de lui casser la colonne. Salut. Il est où? Arrête-toi, cochon! Putain, mais il est blindé, hein! Oh putain, je suis essoufflé. Ouais. Allez, cochon, reviens! Il faut qu'il monte au sommet en plus. Putain, mais tu vas t'aventurer dans quel coin? Reviens, ouais. Va pas tomber dans le vide. Là. J'ai pas envie de faire un putain de détour pour revenir chercher. Oh le con. Remonte là. Remonte cochon. Là. Ah voilà. On va pas te jeter dans le vide là. Hop 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 putain. Là le cochon là, hein, vraiment. Tu fais chier hein. Qu'est-ce que tu viens courir là? Putain le cochon là. Ah, je suis en train de m'éclater les jambes parce que tu cours n'importe où là. Tu fais chier hein, le cochon. Tu vas t'arrêter là? Ah le con. Arrête-toi, saloperie quoi. Ah putain, t'es allé chercher ton frère en plus? Oh
Allez, regardez-moi les cons. Hein. Oh putain. Je peux plus courir là. Je suis en train de vider mes flèches sur ces enfoirés. Putain, tu vas t'arrêter, putain de cochon. Oui, je l'ai vu. Bon. Je l'ai vu, je l'ai vu. Hein. Je vais pas aller me friter avec lui, hein, déjà qu'il m'a défoncé la baraque la dernière fois. Oh putain. Qu'est-ce que c'est que cette merde là? Je défonce à coups de hache, ça lui fait que dalle. Là, c'est encore cette histoire parce qu'elle est complètement ruinée la hache. C'est ça. Cette notion maintenant d'efficacité. Putain. Je suis allé me péter les jambes pour que dalle là. Et finalement, ils vont tous se barrer. Oh, quelle merde. Et on peut pas monter, bien sûr. Quelle génération de merde là, le terrain qui m'a fait. C'est tout pentu. Faut pas que j'oublie de prendre du coton aussi. Hein. Il est passé où à ce cochon à la con? Salut à toi, ta manne. Pas de peinard, hein. Pas remercier, ramasser mes fleurs tranquilles. Ah, le saloperie de cochon là. Je sais pas où il allait se foutre, l'enfoiré, tiens. Ça fait chier là ce terrain, c'est tout pentu là. Qu'est-ce que cette génération qui m'a été bon dans le truc là? Je récupère un maximum de trucs là, pour me finir mes habits. Qu'est-ce que c'est que ce truc là? Je trouve un chalet. On va essayer d'y rentrer sans non plus se faire éclater. Là. Dans les chalets, on peut trouver des tronçonneuses. Hein. Allez hop, on passe vite en haut. Quelle saloperie, hein. J'aurais dû m'installer ici. Le jeu Dept. Ah oui, ouais, bah oui, je l'ai testé. Ouais. C'est, ouais, ça s'écrit pas comme ça, il manque un H quelque part. En fait, j'aurais dû m'installer ici, en fait. Je suis où, moi? D'accord. Je suis non détecté, en plus. Les mecs sont en train de tout défoncer, on dirait des hooligans. Oh, la vaisselle, là! Moi aussi je peux casser la vaisselle. Tiens, aussi. Il n'y a pas une corde que je descende en rappel là. Ah d'accord, vous êtes en train de monter sur le toit vous aussi là. Bon, allez. Ah! On va pas se prendre la tête. On y va à la franco, hein. Ah, toi aussi, tu descends? Ah, d'accord, les mecs, ils sont aussi cinglés que moi, quoi. Putain, oh, c'est dingue ça.
grave, je suis pas très loin. On va y retourner chercher le sac. Oh bah nickel. Juste encore perdu 10 de wellness pour cette connerie quoi. Au bon côté, c'est que j'aurais pas la jambe pétée quoi. Alors, on va rechercher mon sac là. Il est où? Il est ici. Hein. Faut que je traverse toute la forêt. Quelle merde ces trucs là. On peut pas rentrer droit sans qu'on se fasse. Il faudra qu'il le patche ça. Ouais, on s'en fout, hein, 20h. Hein. De toute façon, j'y vais, je prends mon sac, je reviens. Hein. C'est juste à côté. Ah ouais, d'accord. D'accord, d'accord. Ah ouais, c'est vraiment, vraiment mal branlé la carte. Hein. Il n'y a pas d'autre mot. Hein. Descendre carrément dans un creux. Hein. Qu'est-ce que c'est que cette génération de cartes? C'est vraiment mais tout défoncé. Hein. Ça monte, ça descend. C'est montagne russe, quoi, le truc. J'aurais pas pu me faire une carte normale, quoi. Ah, la ferme derrière, là. Le zombie, là. Voilà la fameuse cabane. Ouais, c'est parti, on va chercher mon sac là. Ah super. Ah super, merci. Hein. Moi aussi je te mettrais bien un petit coup là, mais j'ai rien sur moi. Putain, qu'est-ce que ce bordel, par où je vais rentrer là? À rentrer là. Oh, il est où mon sac là? Ouais, tranquille, saloperie. Je voudrais sortir, à plus soi. Oh, les enfoirés. Hop, je passe par en bas. Oh, putain. Mais putain, mais qu'est-ce que cette baraque, là? Comme d'habitude, hein, j'en profite toujours quand même dans les situations les plus critiques, pour fouiller les affaires. Ouais, casse la porte, là, ça me permettrait de rentrer. Bon, il n'y en a pas un qui pourrait se pousser, là, je suis passé par quelle fenêtre? Allez, on sort, évacuation d'urgence, il y a le feu. J'ai fait tourner en bourrique les zombies. J'ai pas dit mon dernier mot, et j'y reviendrai dans cette baraque. Bon, elle est où ma maison, là? Là-bas. Bon, c'est sûr qu'il y a un peu de prise de risque hein, dans ce que je fais, mais bon. Au point où j'en suis. Hein. D'accord, j'ai compris. Hein. Je vais pas me. Ça déchire vachement. On s'habillera plus tard. Hein. Maintenant il faut que je fasse de la varap à nouveau. Ah, le bordel, tiens. Qu'est-ce que c'est que cette carte là? Il faut quand même prendre un peu des trucs hein, sur le chemin. Il y a 9. Ouh là là, ça me fait peur hein, le.
toute façon, hein, c'est tout. Pour l'instant, tout ce que je peux récupérer, hein, c'est la merde. Hein. Ce qu'il me faut, c'est. Super. Qui c'est que ce bleu qui me tape? Rien en plus. Hein. Bon, bah, nickel. Hein. Allez, encore moins 10. Hein. Ça suffisait pas. Finalement, là, j'ai reperdu toute la wellness que je m'étais donnée avec cette connerie de. Quelle merde. Bon là, voyons, on va redescendre, on va prendre cette échelle de merde, je vais la terminer là, parce que c'est vraiment chiant. Vas-y, sors ton machin là. Vas-y, mets-moi ton truc, ça m'évitera de m'emmerder. Hein. Chercher sa histoire de sac là. Avec leurs ours là. Là, ils sont tout contents d'avoir ajouté les ours, mais oh, putain. Ouais. Ah, d'accord, c'est. C'est que d'accord, je suis vraiment dans un endroit. Putain, décidément, mais tout est fait vraiment pour me pourrir le truc. Hein. Qu'est-ce que tu veux? Tu reviens m'emmerder, Paul? Tiens, je vais te pousser la gueule, moi aussi. Enculé. Hein. Putain, le mec, il arrive en courant sur ma gueule, là. C'est chiant, hein. Qu'est-ce que ça peut être chiant, hein. Encore un autre qui s'est planté sur mon truc. Ah moi je suis pas patient hein. Moi je veux pas là, je vais pas attendre là encore une nuit juste pour aller récupérer un putain de sac hein. Moi ce sac je le veux tout de suite hein. Ah bah c'est je sais que c'est la nuit hein, mais moi je veux mon putain de sac là. Le mec il sort je sais pas où en plus là il y a personne. Ok, là, il se fait enculer, là, le bûcheron. Putain, si je pouvais lui pisser dessus, tiens. Ah, là, il faut que je remonte, là. Regarde-moi le bordel, quoi. Quel endroit de merde. Hein. Dès que je peux me tirer de ce coin, là, je me barre bien loin, parce que c'est vraiment la merde, ici. Hein. Comme c'est la merde. La ferme l'ours. J'ai quand même en regarder dans l'arbre parce que c'est la nuit mais il n'y a pas un chat. Ah c'est finalement je l'ai récupéré mon sac. Hein. Nuit ou pas nuit. Hein. Allez. Je vais finir par les virer, moi, ces conneries de pique là. C'est moi qui me fais le plus souvent mal que les mobs, j'ai l'impression. Alors, il me faut que je trouve aussi un truc pour faire cuire. Pour faire cuire pour faire des torches, quoi. Et mets-toi à la fuite. Ça on balance ici. Il va vraiment falloir que je me tire de cet endroit. Il est vraiment pourri. J'entends encore le bruit du néon là, qui me fait chier depuis un bout de temps.
mon petit chapeau sur la tête. Là. Hop. Je vais pas le mettre. Je vais faire gagner mon truc d'Assassin's Creed. Hein. De merde. Ouais, je vais regarder. Hein. Putain. Je suis plus protégé que le truc comme ça. C'est pas très grave, ça. Ça fera du combustible. Le truc là, électrique. Qu'est-ce que c'est chiant, on l'entend là qui bourdonne. J'avais tenté d'abattre le truc là pour que ça s'écroule. J'ai pas voulu péter ma pioche. Je vais refabriquer des flèches hein, parce qu'avec ces histoires de cochons, j'ai tout perdu. Alors, vêtements, qu'est-ce qu'il me manque là? Il me manque, je crois, une veste un peu quand même. Alors, d'accord, j'ai compris. Je sais pas ce que c'est le chez moi. Classe, hein. Je pense avoir une armure. Hein. Approche-toi. Hein. On va se faire un futal. Il n'y a pas ce qu'il faut. On va compléter. Alors, avant de s'enflammer, de faire de ça, je vais quand même regarder s'il n'y a pas besoin pour le truc là. D'accord. Hein. J'ai pas envie d'user des trucs tout de suite là. Faudra de la clé. D'accord aussi. Ça va falloir que j'en chope de la clé et des gros cailloux. Ça va falloir que je trouve de la flotte pour en faire. Allez hop, on met un fut. Enfin, un fut, façon de parler. Hein, des jambières. La louche. La gueule là avec son bonnet, mon bonhomme. De la merde, ces deux là, j'attends qu'ils se pètent et c'est terminé. Hein. On ne garde plus ces trucs. On va couper un petit peu des arbres à 2h du matin. Hein. Avec le froid vivifiant là, c'est parfait. Hein. Ouais, faut pas que je m'oublie de me reculer, je serais capable de me faire tuer. Hein. Regardez, merci à Actarus pour son follow. Je regrette de ne pas avoir gardé un bidon là, de pétrole. Je l'aurais foutu pour faire exploser le truc là. C'est pas bon là. J'entends des abeilles, c'est pas bon. Ça veut dire que c'est une grosse horde. Quoi. Tu restes dehors toi, couché. Oh là là là. C'est une blague, ils sont rentrés ou quoi là?
Ah l'enfoiré. Il m'a défoncé ma porte là. Mais comme il a fait lui. Oh putain. Qu'est-ce que ce délire là? Comme ils sont rentrés. Putain mais plus. Quelle merde. Le chien il m'a défoncé la porte en comme ça. Boum. Je suis sûr quand je respawn dans mon truc, hein, je vais pas me faire un. Et oh là! Sortez! Pousse-toi là, pousse-toi, je vais monter sans mon doigt. Allez vous faire enculer. Hein. Oh putain! Oh putain! Ça devient chiant. Hein. Tu sors d'où toi? Et oh voilà le gros. C'est pas un pipe chaud là, tu rentres pas comme ça. Hein. Et oh. Ah je suis stunt, alors pourquoi je respawn pas là? C'est énorme les mecs. Les mecs ils viennent pas dans ils viennent pas ici. T'avais pas vu que j'avais mon sac de couchage toi? Bon bah on va refabriquer une porte là parce que j'ai compris que. Merde. Ah ouais, dégage toi. C'est un enterre à la con aussi. Ah putain, forcément il faut que je remonte chercher mon sac sur le toit. Hein. Oh le bordel, tiens. Paye ton truc de merde. Hein. Je remets encore mon truc là. Là je compte même plus le nombre de fois que je suis mort, hein. Ça devient n'importe quoi. Allez, on redescend, on se remet une putain de porte là. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Pourquoi la porte j'ai pas pu la poser là? Au lieu de casser les murs, là, cassez-moi les deux trucs, là. Donnez-moi tous ces enfoirés, là. Comment ils sont rentrés, là? Ils sont rentrés où, là? D'accord. Me casser la porte là-bas. Enfin, ils sont en train de me casser le mur. Bon, ben, on reconstruit encore une porte là. On en a une d'avance. Hein. Pfff, le bordel, tiens. Bon, pourquoi il veut pas me la poser? Oh, je cherche à comprendre le truc. Hein. Ah, parce que c'est le jour 6, c'est pour ça que c'est autant la merde. Regardez-moi la merde qu'ils m'ont mis à l'intérieur.
tu vas monter quoi. On fait mieux, l'autre il s'est fait tuer tout seul là le chien. Alors bon bah il va falloir fabriquer des frames, il va falloir boucher le mur à nouveau. Hein. Hop, on pose un. Putain, moi la merde que ça. Ces trucs de poche de sang, hein, c'est vraiment un truc à la con qu'ils ont été rajoutés. Vraiment la nouveauté de l'Alpha 11 qui. C'est une connerie quoi. Ça rajoute des machins, des obstacles. Là, on est obligé de perdre notre temps à casser que ces machins. Truc de merde bien inutile qu'ils ont été rajoutés. Hein. Et, pas obligé de rebarricader ici. Hein. Ah ouais, c'est chiant. Hein. Ah, ces trucs de monticule, là, vraiment une nouveauté vraiment pourrie, hein, ces machins. Bon, alors, ça y est, j'ai réussi à... Ah, bah, en fait, ce qu'il faut faire dans la même logique qu'eux, hein, il faut barricader avec la baraque tout autour, hein, et je vais foutre de la terre. Hein. Je me protège directement avec la terre. Hein. Alors, on va foutre un autre coffre ici. Hein. On va mettre un peu tous mes éléments importants de construction. De toute façon, je vais devoir me tirer de cet endroit-là. C'est vraiment inutile. C'est vraiment... Le coin est vraiment nul. Hein. Ça monte dans tous les sens. Il y a des zombies je sais pas d'où c'est qu'ils spawn. Parce que je sais. Regarde-moi cette merde là. Oh bah ouais bah là aussi j'en ai pas mal hein, du temps hein, sur celui-ci là. Allez, c'est bon. Ok, il les pète ces merdes là. C'est vraiment de la merde. S'ils peuvent pas faire un truc sans qu'on se fasse mal dans le centrage d'entrée. Merde, c'est pas moi qui vais. Je vais pas sortir sans arrêt puis me faire mal. Hein. Les pics qui sont pas censés me toucher moi. J'entends un putain de chien. Tu vas la monter cette échelle là. Allez, moi c'est la prise. De toute façon, hein, ils sont... ça c'est vraiment pas solide. Hein. Il faut vraiment mettre des dessus hein, en fer. Hein. Là, ils sont vraiment plus efficaces.
Depuis qu'ils ont rajouté ces cochonneries de poches de sang, ça. C'est une vraie merde contre les protections. Il y a un chien qui traîne, on va fermer. On va aller s'en occuper. Qu'est-ce que ce bordel là? Je comprends pas pourquoi j'arrive pas à monter jusqu'au bout. Et bouge plus, toi. Allez, Mossbug, il tourne sur lui-même. T'as raison, mais en plus du scrap, j'en ai, ouais. Arrête de courir, sale chien. Je fais n'importe quoi, il court. Alors voilà, l'intelligence artificielle, Sevenda, a son plein potentiel, là. Putain, oh. Il est complètement immobile. Là, on est au summum de l'IA du jeu. Hein. On a du scrap là. Ouais, je sais, hein, maintenant ça a bien changé. Ça, c'est un truc qui est arrivé avec la. C'est arrivé avec la. Ah, d'accord, je peux en fabriquer qu'un seul là. Il m'en faut 4. C'est arrivé avec l'alpha. Avec l'alpha 11, c'est arrivé comme ça. Ah, mais c'est que là, il n'y a pas que le viol. Je crois que c'était comme c'était le cas déjà dans l'alpha 11. Dans l'alpha 11, tu pouvais pas. C'était l'arc, hein, t'avais plus l'arbalète. Foutre ça là. Ça, on le dégage, c'est pas solide du tout. J'aimerais bien me creuser ma mine là. Le problème, c'est que ah parce que maintenant ah d'accord ouais mais là maintenant il faut impérativement un livre n'importe lequel. Allez, on va essayer de. J'ai plus du tout de. En tout cas, j'ai jamais mangé depuis le début. C'est dingue, hein? La bouffe, j'en ai. J'en ai autant que je veux, hein.
Ah, le souci, c'est ça, c'est de trouver un serveur potable, malheureusement, hein, où il n'y a pas de PVE, de PVP, enfin tout ce bordel, quoi. Donc pour l'instant, bah, faute de serveur, je reste en local, malheureusement. Je voulais de la clé, j'en ai. Là, le problème, c'est que là, moi, sur ma. Il faut que je live, que je supporte la partie. Ça en fait des trucs. C'est pas un serveur, moi, c'est une partie locale, quoi. Je suis en local. C'est absolument pas un serveur. Heureusement que j'ai pris le truc là pour me donner un coup de boost. Hein. Le buzz, il faut vraiment attendre que ça remonte. J'étais encore habitué avec l'ancien système. Attendre un petit peu que ça remonte. Ah, l'effet, elle est déjà partie. Hein. Ah, pas, ça... ah, le souci, c'est que ouais, il faut. Je vais finir par me bloquer. Le souci, c'est ça, hein, c'est que là, je joue en local, donc le problème c'est que bah, y a rien que c'est uniquement quand je host que la partie est up quoi. Après, faut arriver à me retrouver, ça c'est pas gagné. Ça c'est encore une autre partie parce qu'après il faut arriver à se retrouver quoi. Ça c'est pas gagné. Hein. Et en plus. Bison, avec Bison, nous on jouait sur des serveurs. Hein. Et ben là il travaille, hein. Lui il travaille de nuit, hein, Bison. Et je crois que je sais pas s'il fait du 7-1 pour le moment. Je crois qu'il est plus sur Ark pour l'instant. Enfin même pas, je crois qu'il est sur un autre. Je crois qu'il est sur un autre jeu de zombies. Hein. Je crois qu'il est maintenant pas mal sur. Il est sur un autre jeu out ou survive, je crois. Je parle, mais je regarde pas mon bordel. Je pète ma hache. Ah, je recrafte une de meilleure qualité. Ouais, là, bien sûr qu'elle est joignable ma partie. Ouais. Je l'avais mis quand même, je l'avais paramétré pour la mettre en. J'avais paramétré pour la mettre en accessible en multi, hein, au cas où s'il y en a qui voulaient rejoindre. J'avais paramétré au cas où s'il y avait Bijon ou si toi tu voulais te pointer. Hein. Je sais qu'elle est. Je l'avais paramétré volontairement au cas où. Mais en fait, je me suis rendu compte, c'est qu'on peut le faire après coup. Hein. Ouais, le mot de passe. On va le dire comme ça sur le truc, mais c'est un mot de passe. C'est un mot de passe tout con, hein, qui est connu pour ceux qui ont vu les lives de Space Engineer. Et ben c'est le nom de ma base, tout simplement. Le mot de passe, c'est ça. Hein. C'est pas très compliqué. Hein. Truc, c'est que. À mon avis, je pense que
À mon avis, il y a moyen en haussant, je pense que c'est pas trop le problème de pouvoir tenir avec un autre joueur. Après 2-3, ça par contre, je sais pas comment le PC y réagirait. Puis aussi la collection. Bon. Je suis bien beau là, en train de creuser mon truc, mais. Ah, le mot de passe il est tout simple. Je pense qu'on attend. Quand j'imagine les trucs qu'on avait creusés, que. Avec Bison et Doudane sous terre, c'était un truc de fou. Hein. Et là, je vois que. Regardez, la pelle, elle va péter quoi. En fait, je pense que Jaco, parce que moi aussi tout à l'heure, j'avais pas compris de quoi il parlait. Après, moi, j'ai compris. Dept, c'est un jeu, c'est un FPS avec un sous-marin avec des requins. En fait, c'est pas, c'est Dept, le fond qu'il faut comprendre. N'y voit rien du tout là. De toute façon, il va falloir que. Faire que j'aille chercher des trucs hein, en dehors. Ça sert à rien de creuser. Faut que je me trouve une marmite pour mon feu là. Ça, je le pose. Ça, je le garde. Ça va être très important pour plus tard, la clé. Quelque part, c'est ça, ouais. C'est le jeu avec les requins et les plongeurs. Ouais. Bon, alors on va repartir. Pas si j'ai bien fait de m'installer dans cette cabane. Hein. J'ai l'impression que je suis super mal. Enfin. C'est pas une impression, hein. Je suis mal implanté, mal exposé. Je suis en hauteur, il faut que je descende des montagnes et tout. Oh, il bouge pas, il a d'autres temps, c'est quand je passe qu'il se réveille. On admire une très belle génération à la route qui passe qu'à creuser le. Regardez-moi ce bordel comme ça à creuser. Poser la route, ça a carrément creusé la génération du terrain en montagne. Ok, bah t'as dû voir, t'as dû voir les dernières vidéos que j'ai mises, hein, notamment bah, la toute première de lui là. Alors où est-ce que je vais là? Là toi, est-ce que je suis le chemin? Alors est-ce que je peux pas prendre un petit raccourci là? Le problème c'est que quand moi je prends un raccourci, ça peut se passer mal. Hein. Est-ce que là-bas il n'y aurait pas un petit cimetière avec des éventuellement des trucs à choper dans les pommes. Ah,
c'est un rampant. Putain, je l'ai entendu arriver. Hein. Allez, laisse-moi partir. Ah putain, fais chier ce stunt là aussi. Hein. Oh, quelle merde. Hein. Ah putain, j'avais pas vu, je pissais le sang. Pff, oh là là, quelle merde. Avec ce truc de stunt là, c'est relou quoi. Ouais, le jeu avec le vaisseau, il est pas mal. Hein. Avec Interstellar Rift, c'est pas mal. Hein. Alors, Interstellar Rift ou Elite Dangerous, ça dépend lequel. D'ailleurs, il y a eu des mises à jour hein, sur Interstellar Rift. Ouais, c'est... Ce truc de stun, c'est vraiment un truc... À la limite, que moi, je préfère à la limite qu'ils me mettent un coup et puis que vraiment que ça me fasse mal que ça me bloque, quoi. Là, tu peux rien faire, quoi. Tu sais que, bah... Moi je vas-y, tant qu'à faire, on a qu'à se crever un peu plus. Hein. Cette carte, mais elle est pourrie. Ça m'a généré un putain de machin. Hein. Allez, putain, avec les portes là, c'est une bonne chose d'avoir dégagé cette merde là. Putain, ouais. Là, je compte même plus les morts. Hein. Je sens que... Je pense qu'elle va pas faire long cette saison. Hein. Ça serait à peine la deuxième part, la deuxième fois que je joue, et déjà, ça commence à me faire chier. Hein. Ah, il y a des aberrations, quoi. Regardez-moi le truc, là, le terrain comme il est. Regardez-moi cette génération de merde que ça a fait, quoi. C'était beaucoup plus propre avant les terrains comme ils étaient générés. Qu'est-ce que cette merde qui s'est passée, quoi. C'est quoi, c'est un ours. Je comprends pas, là. Pourquoi il y a mon sac qui est là-bas, là. Ouais, c'est moi, c'est ce que hier on en parlait, et moi, c'est ce que j'ai compris. Hein, c'est qu'il y a énormément de gens qui gueulent, hein, qui sont très remontés contre cette version là. Et quand je dis remontés, les gens vraiment ils sont hostiles hein, contre les développeurs. Hein, ils leur disent clairement qu'ils ont tué le jeu, qu'ils ont fait vraiment des mises à jour inutiles. Et à première vue, ils ont dû patcher. À première vue, il y avait des problèmes avec l'alpha 12, 12.3, 12.2. Là, il y avait des soucis de compatibilité avec je sais pas trop quoi. Il y a énormément de gens qui ont gueulé parce que, bah, en fait, ils pouvaient plus jouer. C'était plus du tout stable. C'était vraiment une vie de la merde. Et ils sont pleins et voilà. Et moi, je voyais les mecs qui gueulaient sur le carrément hein, sur le chat Sim, il disait que le jeu il est en train de pourrir quoi. Qu'ils étaient en train de prendre des orientations qui ça allait complètement à première vue certains trouvent que c'est bien. Mais bon après là le système par exemple de qualité des objets, tout ce truc, c'est un morceau, hein. La qualité des armes, la qualité de tout, même la qualité de la hache, même laquelle. Alors là, on peut avoir une hache bonne qualité. C'est pas bête. Dans l'idée, c'est pas bête, mais la façon dont ça a été mis. Ouais, moi je les ai testés en créative, là, les mini-motos. Et... Ouais, moi je me posais justement la question quand c'était l'Alpha 11, comment ça allait être possible?
d'évoluer sur un terrain aussi accidenté avec une mini moto. Alors quand je vois là les montagnes et tout le bordel. C'est la, en plus la moto, il faut lui faire le plein. J'ai peur que des. Le machin il court tellement vite. Le problème c'est que je vais pas aller m'emmerder avec ça, hein, parce que là pour l'instant je voulais me concentrer sur le village. Avant les cartes étaient beaucoup plus propres. Hein. Alors je comprends pas comme qu'en faisant évoluer le jeu, que la qualité de génération elle ne soit pas de, au contraire supérieure. Qu'est-ce que c'est que ces trucs là-bas? On voit du noir. Qu'est-ce que c'est que ce machin? Est-ce que ce serait pas les nouveaux zombies qui brûlent là? C'est pour ça que ça fume. Et comme il fait sombre. Hein. D'accord, en plus il faut que j'aille en plein dans la direction d'où ils sont. La dernière fois que j'ai voulu venir ici, je me suis fait éclater à je sais pas combien de reprises par des chiens. Donc le problème c'est qu'il me faut à tout prix une cocotte, il faut du matos un peu mieux. Hein. Ah putain, il y en a partout, ces machins qui flambent. J'aime pas le. On dirait qu'il fait nuit, c'est 18 h. Alors, on va prendre un peu de matos. Ah putain, il y en a partout de ces machins qui brûlent là. C'est pas en fouillant ces cochons avec poubelle que je vais trouver des trucs extraordinaires. Voilà, d'accord, merci. J'ai envie de m'amuser à tout casser. Hein. Ce qu'il y a, c'est que j'ai pas envie de me retrouver piégé dans la ville en pleine nuit. Choper ce qu'il y a en face. Hein. Je vais trouver un peu plus de. Ouais, compris. On va commencer à repartir vers la maison. Parce que alors, la nuit elle va vite tomber, je vais m'entrepiéger. Ouais, je sais, hein, bah, le problème c'est qu'il faut en trouver un campement. Un moustique maintenant, il manquait plus que ça. Hein. Moustique. Je vais ne pas m'emmerder. C'est pas gagné malheureusement. Ouais, c'est ce que. Tiens. Qu'est-ce que j'ai un peu hier. Hein. C'est qu'à force, je pense, de rester focalisé comment dire, dans cette logique-là c'est que, voilà, il faut, à un moment donné, il va falloir que ça avance peut-être plus vite, je pense, leur développement. Hein. Parce que comme il y aura énormément de gens sur le créneau des jeux de survival, de plus en plus qui sont en train de se mettre aussi sur des sandbox. Et bah, je sais plus avec qui j'en parlais avec Jacos justement.
Ah, je sais, les bouts de viande, bah, c'est des bouts de... J'en ai de la vraie, de la viande, pas de la viande de zombie. Hein. Et j'en parlais avec Jaco, justement, c'est de... On parlait justement de ce phénomène des jeux en alpha et en early access. En gros, on expliquait que, en gros, l'idée de notre discussion, hein, c'était que c'était devenu un business économique, hein, clairement. Hein. Il y a des gens qui... Il y a maintenant des développements de jeux qui sont faits de façon à être uniquement en mode bêta et qui ne verront jamais le jour. Super. Je me promène, je vois que j'ai même pas mon équipement sur moi. Et il y a des jeux qui verront jamais. D'accord, elle vient de se lécher, on peut la manger maintenant. Attends, toi. Regardez-moi l'aberration. Machin, je lui cours dessus, je lui balance des coups de hache en plein là et dans la gueule. Et j'arrive pas à le buter. Quelle carte de merde. Putain. Barre-toi. Donc on sait ce qu'on disait, hein, c'est que ben, tous ces jeux-là maintenant, à croire qu'il n'y a pas un jeu, c'est dire dès maintenant les jeux ils sont tous en early access ou en bêta. Donc ça leur permet de vendre quand même un jeu cher. Ouais, limite un jeu en early access ou en bêta qui coûte 5 euros. Ok? Mais bon, vendre des jeux en pré-machin à 30 euros. Ça commence déjà quand même à quand même cher pour un jeu qui est pas fini quand même. Hein. Et le problème, c'est qu'on a aucune on a aucune certitude que le jeu va être fini un jour. Hein. Donc c'est vraiment moi je dis c'est clair qu'il y a un business là-dessus. Et moi j'en parlais bah, avec des jeux bah, comme par exemple on regarde hein, faut voir des jeux comme Space Engineer. Hein. Space Engineer, hein, c'est un jeu, ça fait depuis 2013 hein, qu'il est en travaux. Et on attend, hein, on attend qu'il soit release. Hein. Moi je dis que c'est un jeu, il sera jamais release. Les gens, ils surfent sur ça, les développeurs, je pense. Hein. J'ai pas l'impression, moi, qu'il y ait une volonté de release le jeu. Ça fait quoi? Ça fait 2 ans, ils attendent quoi, les mecs, pour faire quelque chose, quoi. Au bout de 2 ans, je sais pas. Je veux bien que le développement il dure un an, mais bon, là quand même, je pense que, voilà, alors, Space Engineer, Prison Architect, il y en a un des jeux comme ça. Et donc, moi je pense que, bah, on est dans le même cas avec Seven Day, je pense que c'est un jeu qui va rester très très longtemps en développement. Il va rester. Putain de merde, avec ce système d'échelle. Le jeu, à mon avis, je pense, moi je me pose la question s'il y a vraiment même des jeux qui un jour seront release tellement. Hein. Je me pose la question parce que à un moment donné, les jeux ils vont tellement rester longtemps à être à l'état, au stade de développement qu'un jour il y a vraiment des studios qui vont faire un jeu qui va régler le problème définitivement, qui va être au-delà dans tous les domaines, et puis l'autre jeu, bah, ça sera terminé. Parce que le développement, ben, il pourra se continuer, mais il n'y aura plus personne qui voudra y jouer dessus, parce que de toute façon, le jeu il sera tellement vieux que, comme l'avait souligné Jacques, c'est que pendant ce temps-là, les moteurs graphiques, eh ben, ça évolue. Hein. En 2 ans, ça va très vite, hein, un moteur graphique. Alors, rien que, voilà, franchement, là, quand on voit le moteur, faut pas qu'ils attendent 5 ans, hein, parce que là, graphiquement, je pense qu'il y aura quelque chose d'un peu mieux hein, d'ici là. Russ, ils ont fait l'effort de mettre à jour leur moteur. À un moment donné, il va falloir sérieusement qu'ils y pensent, au lieu de s'amuser à vouloir rajouter des petits trucs, quoi. Je sais pas, en tout cas, moi. En fait, moi, j'avais pas joué à l'Alpha 12. Ouais, je sais, hein, je suis mort. Je suis mort. J'avais l'expérience, hein. Je suis mort il n'y a pas très longtemps en coupant un arbre.
J'ai découvert cette subtile nouveauté aussi. Et en fait, eh ben, c'est ce qu'on disait, hein, c'est graphiquement, bah, c'est que les jeux, bah, ils évoluent plus aussi. Hein. Donc à un moment donné, bah, il va falloir aussi que qu'ils mettent à. C'est que c'est bien de mettre à jour le c'est bien de mettre à jour le jeu, enfin de faire en, de mettre de faire en sorte que le jeu soit finalisé pour la release. Officiellement, c'est ça. Hein. Là, on se demande des fois, quand on voit les alphas qui suivent, on se demande en fait s'ils ont réellement on dirait qu'en fait, enfin, c'est pas on dirait, hein. Il n'y a pas de roadmap. Les mecs, en fait, ah bah tiens, on a mis une nouveauté. C'est-à-dire, en fait, les mecs, on est en plein dans le développement. C'est-à-dire que le jeu, il n'est pas finalisé dans leur tête. C'est, voilà, ça se construit au fil du truc. Donc, ah d'accord, maintenant ils ont mis un livre. Je sais pas s'il n'y était pas d'ailleurs, le livre déjà, c'est pour le genre. Donc moi ça me fait un peu, quand je vois un peu comment ça se passe, cette histoire, ces développements, moi tout me laisse à penser qu'en fait, il y a énormément de jeux qui ne sortiront jamais du statut de développement, et que les joueurs, que les... Ça aussi, ça commence à me les baiser menus. On va définitivement mettre une échelle fixe là parce que là c'est depuis l'alpha 12. Alors décidément, plus je joue là l'alpha 12, plus je commence à comprendre un peu les gens là pourquoi ils commencent à gueuler sérieusement sur les. Ah. Là, depuis l'alpha 12, j'avais pas un problème de clavier à devoir passer en QWERTY. Hein, ça, pas comment on peut régresser à un niveau comme ça aussi. Hein. Enfin bon. Moi, je vois de très mal l'évolution d'un jeu comme ça. Ils savent pas qu'est-ce qu'ils veulent faire. Donc, comment ça peut évoluer un jeu où ils savent pas dans quelle direction ils vont? Moi, ça me. Je sais pas quoi. On construit un jeu, on se dit bah oui, on aura. Donc, il va y avoir ça va être fait comme ça, puis tac, 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 tac. Ah bah bien sûr, hein, moi aussi je préfère qu'il y ait des mises à jour qu'un développement soit abandonné. Mais bon, moi ce que j'aime bien c'est que ça soit que les mises à jour elles soient cohérentes et qu'elles soient faites dans un esprit de se dire on fait des mises à jour dans le but de faire une release, c'est-à-dire de faire un jeu finalisé, terminé. Là on a l'impression que là en fait ils sont. On fait des petites mises à jour pour en fait faire des mises à jour parce qu'on a des idées, sans réellement avoir de. Voilà, c'est comme dit voilà, c'est ce que dit Rocky McLive. C'est voilà, il n'y a pas de ligne directrice, on ne sait pas où on va. On fait des petites mises à jour histoire de contenter les joueurs qui sont encore sur le jeu. On reste malgré tout dans cette période de développement d'alpha, machin, où c'est rien de finalisé, comme ça, s'il y a des problèmes. Eh ben, on ne peut pas être mis en cause parce qu'on a prévenu que c'était un jeu qui était en développement, en alpha. Donc c'est un peu facile, hein, moi je dis après cette politique. Hein. Alors Ark, il est pas. Ark, je crois pas qu'il est release. Hein. Ark, je crois qu'il est en early access. Mais je crois pas qu'il est release. Hein. Par contre, bah, s'il y a des mises à jour, c'est qu'il y a des correctifs. Mais s'ils ont une ligne de conduite claire, là. C'est dingue, hein, moi j'ai l'impression des fois de ne pas reconnaître. Pourtant, j'en ai passé un du temps hein, sur 7D1. J'en ai passé, j'ai pas l'impression de reconnaître le jeu que j'ai connu bah, dans les précédentes versions. Hein. Je comprends maintenant. Ouais, l'acier, je sais, hein, j'ai vu qu'il y avait maintenant aussi l'acier. Hein. Par contre, ouais, alors qu'il faut fabriquer si maintenant il faut des livres pour tout fabriquer, les medikits, les antibiotiques. Ah, merci du voyage. Malheureusement, cette politique de c'est vraiment une façon, un business hein, de cette façon de. On n'y voit rien, je peux pas fabriquer de torches, hein, je suis obligé d'y aller au pif. C'est vraiment particulier hein, cette façon.
Je dis pas que c'est un mauvais système, les early access et tout ça. Mais moi je dis qu'il y a énormément d'abus, que bah, rien. Ah, bah j'ai pas loupé beaucoup de mises à jour, hein. J'ai joué à l'Alpha 11. Hein. À l'Alpha 11, on a commencé avec Bison, on avait commencé une saison et tout, on avait vu toutes les nouveautés des armes, les machins. Moi, je suis arrivé, bah, en fait, j'ai arrêté au milieu de l'Alpha. J'ai arrêté au milieu de l'Alpha 11, en fait. Hein. C'est tout. Hein. Donc, j'en ai pas loupé autant hein, de mises à jour. J'ai peut-être loupé des mises à jour au sein des Alpha, hein, peut-être au sein d'Alpha 11 et puis. Bon, j'ai pas loupé grand-chose, hein. Là on est sur l'alpha 12.4. Ouais, j'ai pas joué à l'alpha 12, mais bon. Il y a été énormément de choses quand même qui ont changé. Hein. Ouais, mais comme tu dis, un hein, Rocky Milk. C'est ça, tant qu'il y a de la mise à jour et puis que le jeu fait parler de lui, bah tant mieux, le jeu se vend. Mais moi je. Putain, mais c'est vraiment de la merde ce système d'échelle. Hein. Putain, mais quelle merde! Regarde-moi cette connerie, j'ai rajouté un barreau et je me casse la gueule sur ma propre échelle. C'est vraiment merdique. Là, il fait super jour. Quelle merde. Ouais, enfin bon, comme disait Rocky Milk, c'est ça, hein, c'est que je pense que. Étant donné qu'il y a encore du monde et qu'il y a potentiellement de l'argent à se faire, le jeu aura de la mise à jour. Hein. Une fois que je pense qu'il y aura un concurrent sérieux qui sera sorti et que ça se vend plus tant que ça, eh ben, je pense que on n'en entendra plus parler du 7 Day, je pense que le jeu il sortira même pas en release. Moi c'est l'impression que j'ai. Hein. Et j'ai cette impression sur énormément de jeux que j'ai. C'est un peu la même chose sur Prison Architect. C'est la même impression que j'ai sur Space Engineer aussi. Ça fait quand même des années qu'on entend des releases sur certains jeux et c'est toujours repoussé. On sait pas. Je pense que c'est un peu de la facilité, hein, les développeurs, hein, ce qu'ils nous font. Hein. Bon, bah, faut fabriquer une attelle. Je me demande même si je perds du temps à me fabriquer une attelle ou. Ah ben non, c'est pas ça qu'il faut que je prenne. D'accord, je vais pas pouvoir la fabriquer. Pas pouvoir en fabriquer. Ouais, je sais, les bottes de paille, hein, c'est ce qu'on j'avais. On mettait ça pour sécuriser nos installations. Pour pouvoir sauter. Je sais pas, en fait, si en fait il y a une volonté vraiment de sortir les releases ou pas. Hein. Je pense qu'ils se contentent bien de. Comment on utilisait une appel là, je pense. Voilà, d'accord. Bah oui, comme tu dis, un jeu de GF, hein, c'est un jeu en évolution, quoi. C'est pas une alpha, hein, c'est un jeu en évolution. Enfin voilà, hein, on est en plein dans un jeu qui est purement en développement. Donc c'est-à-dire qu'un jeu, le jeu qui est encore en alpha, quand même alpha 12. Je sais pas, à un moment donné, il va falloir qu'il passe le cap au moins de la bêta. Parce que bon, c'est bien de vendre des jeux en alpha et tout, mais. Maintenant, j'ai l'impression que tout le monde fait ça. Tous les jeux maintenant, bah, il n'y a pas un jeu sur Steam que c'est. Soit c'est de l'accès anticipé, soit c'est de l'alpha. C'est des jeux en release direct. C'est. Voilà, hein, c'est limite à se dire que maintenant. Ça devient rare, hein. Il n'y a que les gros studios qui sortent des jeux en release.
Alors après, je veux que pour des jeux indépendants, ok, que les mecs ils n'ont pas de moyens, qu'ils ont besoin de financement. Alors, ok, ils sortent des jeux qu'il faut en gros financer pour pouvoir évoluer. Et voilà, mais alors après, comme disait tout à l'heure, hein, qu'ils soient cohérents dans les mises à jour, quoi. Pas que ça parte dans tous les sens, ça soit un feu d'artifice. Hein. Moi, je sais pas franchement si c'était tout prévu. Hein, la mini moto, ok, c'était un truc qu'ils avaient annoncé. Alors, là, tout leur système de. Toutes ces modifications qu'ils apportent. Vas-y, un coup, je te mets le machin, il est. Un coup, il est. Un coup, on peut plus poser les torches aussi, c'est une nouveauté là. J'y vois super classe. Exactement, mais c'est ça. On n'y voit vraiment rien. Putain. Regardez-moi la merde que je suis. Ah, je creusais un truc propre. Regardez la merde que je suis en train de faire. On pouvait accrocher, on pouvait poser les torches de souvenirs. Hein. Ah d'accord, je me casse le cul à creuser pour rien du tout. Maintenant, il faut que j'aille dans les grottes pour trouver du minerai. Ça sert à rien que je creuse sous terre pour aller chercher du fer. D'accord. Bah, de souvenir, on pouvait trouver de la roche et à moins que je confonde avec d'autres jeux tellement que j'en fais, mais que je sache avant, on pouvait bien creuser. Alors, il me semblait qu'avant les torches, pareil, elles s'épuisaient, qu'elles avaient une barre. Maintenant, on dirait qu'elles sont à nouveau infinies. Ah, d'accord. D'accord. Je vois vraiment que ça a vraiment beaucoup changé, hein, le jeu. Bon bah, je tourne en rond, moi. Merci à Rockmeet Live pour son follow. Hein. Là, le problème, c'est que là, maintenant que j'ai une jambe en moins là, pour aller sortir ces missions impossibles. Ok, l'autre il arrive en courant sur ma porte. Bien fait. Alors, je sais pas ce que c'est que cette saleté. On va tout de suite aller lui expliquer que c'est quoi. Et oh, tu vas pas rentrer comme ça. Allez, c'est parti, il vient de m'attaquer. Donc, il n'y a plus qui pète la porte aussi. Ah d'accord, merci Anne. Hein. Elle m'a déjà pété la porte, elle va vite aller là. Oh putain. Putain, l'enfoiré. Vas-y, monte. Le mec il arrive à monter l'échelle alors que le barreau il est pété. C'est énorme, hein. Ouais, et eh ben écoutez, hein, comme tu dis, Tarus.
Là, ça me saoule. Hein. On va changer de jeu. Hein. Ça me gave mais complètement. C'est du n'importe quoi. Il y a deux bonhommes, ils arrivent, ils me défoncent deux portes. Oh, c'est pas des portes en fer. Hein. Des portes en bois, hein, je veux bien. Mais ils arrivent, ils me défoncent le truc. Et en plus, ils montent. Alors moi, je peux pas monter. Il me manque un barreau, je peux pas monter. Eux, il n'y a pas de problème. C'est Spider-Man, ils escaladent le truc. Hein. On va pas se prendre la tête. On va les défoncer là, et puis on va couper là. Hein. Ouais, c'est ça. Hein. Toi, c'est malheureux. Moi, je comprends maintenant. Je comprends. En fait, moi, j'avais testé le machin, la mini-moto, tout. J'avais tout mis, mais en créative. Je voulais voir, voilà, je voulais voir les nouveautés, mais sans partir dans une partie. Et ben là, maintenant que je la joue, et ben je comprends. Hein. Je comprends maintenant ce que les gens, l'agacement des gens et tout là. Je comprends. Je comprends tout à fait pourquoi les gens gueulaient sur le truc. Ils ont carrément pourri le jeu, hein. C'est con, hein, mais ouais, ils l'ont rendu complètement le truc, quoi. Faut que je remette mon truc. Oh, c'est n'importe quoi. Et le machin, comme je galère là. Comme un con là. Eux, ils arrivent à monter sur le toit. Moi, j'arrive pas me pas. Je monte, je me pète une jambe. Eux, ils arrivent à monter tranquille. Ah, on va le comprendre le truc. Donc, résultat, voilà. Hein. S'ils veulent pourrir leur jeu, bah, qu'ils le pourrissent. Hein. Je comprends beaucoup mieux maintenant les commentaires désobligeants de nombreux joueurs hein, qui avaient gueulé là, sur le Steam, hein, sur le groupe discussion Steam hein, à propos du jeu. Je comprends un peu mieux maintenant. Hein. Le jeu a vraiment m'a pris un virage, je pense, non contrôlé. À vouloir mettre de la nouveauté et ils partent un peu dans tous les sens et ils oublient je pense ben ouais, ils partent un peu n'importe comment je pense et le problème c'est que à modifier des choses qui étaient j'irais implémentées dès le début dans une certaine logique ils changent grandement le fonctionnement du gameplay et puis ben directement ben voilà quoi c'est que ces machins ben ça s'adapte mal. Et résultat, ben, on se retrouve dans des situations comme là où voilà, quoi, c'est complètement aberrant, quoi. Moi, je galère plus que voilà. Moi, je galère pour monter. Il manque un barreau, je galère. Les mecs, l'échelle, elle est carrément pétée. Eux, ils arrivent à passer, quoi. Là, la porte, les deux portes intactes, hein, ils les ont tombées comme ça. Bam, bam. C'est. Voilà. Hein. Ah ben, non, je pense que c'est que voilà, c'est que le jeu il évolue à mon avis pas spécialement dans le bon sens. Sur tout ça, hein, moi j'aime les jeux qui ont de la difficulté, mais là, et voilà, c'est que là il y a du laisser aller. Le développement il est complètement, il est pas bon. La génération du terrain est pourrie. Avant c'était très bien. Le machin il repasse en QWERTY. Moi, c'est une amélioration, moi je la trouve clairement daubée, hein. Il n'y a pas d'autre mot. Hein. Là, je reconnais pas le jeu comme moi j'ai connu au tout début. Hein. Moi je suis de l'avis un peu de. Je me retrouve plus dans l'esprit d'Actarus. Là, avec un niveau. Là voilà, moi aussi hein, j'arrive à être très patient. Il n'y a qu'à le voir dans beaucoup de jeux de construction où j'arrive à être très patient, mais. Regardez la galère que c'est quoi. Là, il faut que j'aille chercher, si je veux construire un machin, il faut que je trouve un livre, il faut que j'arrive à rentrer dans la ville, mais je suis pas prêt d'y rentrer dans la ville, dans l'état où je suis. Donc déjà avec le système de la wellness qu'ils ont mis déjà dans l'alpha 11, ça a énormément mis un barrage, ça a été énorme en niveau difficulté. Par-dessus ça, ils rajoutent en plus tout ce qu'est l'histoire des qualités des outils.
Alors en plus, maintenant que l'Alpha 12, il faut en plus avoir des livres pour construire des trucs. C'est bon, hein. Moi, mon livre, ben, je vais aller le construire dedans dans un autre jeu. C'est pour ça que je vais m'en arrêter là. Ouais, la patience, là, je l'ai perdue avec Seven Day cette fois. Donc voilà, donc bah pour Seven Day, bah moi ça m'a bien saoulé là, ça va m'insister plus hein, parce que après ça va tellement me contrarier que je viendrai même plus dans le jeu alors. Donc je préfère couper avant que vraiment j'en pète un câble et voir tellement que le truc qu'il a pris un tournant pourri hein, parce que là, pour moi c'est peut-être pour ça aussi que d'ailleurs il y a peut-être un peu moins de gens que je vois. Enfin, il y en a un peu moins qui j'y joue. Hein. Je comprends pourquoi. Ah, ben, voilà. Hein. Je sais pas si Rocky Mike Live, il a le jeu également, mais. Voilà. C'est ça. Hein. Je pense qu'à un moment donné, c'est qu'à vouloir se contenter de rester. J'en reviens un peu dans mon histoire de rester, à vouloir se contenter de faire des mises à jour, de mises à jour. On rentre dans un processus où on ne sait plus où on va et en fait, on transforme quelque chose qui était très bien en quelque chose qui n'est plus du tout bien ou ça devient du n'importe quoi. Et en fait, on tue le jeu petit à petit plutôt que d'aller de l'avant, de faire de la nouveauté vraiment. Qui va dans le bon sens, ou du moins de la nouveauté réfléchie, quoi. Pas un truc où, à la limite, soit on met une résistance aux armes, soit on met la wellness, mais on met pas une wellness, une résistance, un machin, des livres. Bah, le truc, c'est fini, quoi. Le machin, soit en fait, j'ai compris, hein, le jeu, il était tellement facile avant que bah, ils ont voulu tellement empêcher l'évolution rapide des joueurs en mettant tous ces points-là, tout simplement. Donc voilà, bah écoutez, on va pas rester 107 ans hein, sur le truc. Hein. Il y a plus, je vais pas me remettre dans 7 Day. Je vais partir sur d'autres choses, un truc où au moins on se prend pas la tête. Hein. Mais bon, c'est clair que là, 7 Day, j'aurais pas pensé. Ouais, je sais hein, que les armes, tu les améliores. Je l'avais vu dans la 11. Enfin voilà, ouais, c'est clair que. Je poserai la question, je demanderai un peu à Bison hein, s'il l'a essayé, l'Alpha 12, hein, est-ce qu'il en pense? Et c'est vrai que là, ça vraiment, moi qui ai connu les débuts, enfin voilà, ouais, enfin les débuts, hein, je sais plus à partir de combien j'ai commencé à jouer sur le jeu, hein, sur quel alpha, mais vraiment là, celle-là, c'est un truc de fou, hein. Ouais, mais on va trouver un autre truc, hein. Ouais, donc je vais voir, bah Elite, franchement, je vais peut-être plutôt faire un petit tour sur voir les nouveautés sur Interstellar, parce qu'il y a des nouveautés. Oh bah va essaye-le, Dedam, tu verras, hein, je pense pas que tu tiennes aussi longtemps dans le truc. Hein. Bah, c'est clair, hein, je préfère aller. Je vais plutôt faire un autre jeu qui est plus réfléchi, je pense, dans le développement. Parce que là, franchement, là, je suis dégoûté. Hein. Il n'y a pas d'autre mot. Hein. Je suis vraiment dégoûté. Hein. Là, le Seven Day to Die, putain. Hein. Ah, c'est clair que là, c'est même plus Seven Day to Die. Hein. C'est One Day to Die. Hein. Voilà, je sais pas ce que c'est, Seven Day to Die, mais en tout cas, bientôt. Ça va être je sais pas quoi, mais bon, je vais pas faire de jeu de mots marrants avec le titre, mais on pourra en faire. Hein. J'espère que le jeu, ça va pas se résumer à 7 joueurs tout release, hein, parce que vu comme c'est parti, à mon avis, moi j'étais patient, mais à mon avis, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui vont vite se tirer de 7 Day to Die, parce que là, ils sont en train de partir dans un truc, c'est très mal équilibré, hein. Faut qu'ils revoient le truc, mais. Moi, je suis parti, j'avais mis en ordre cargo vraiment en fort. En fait, ils avaient tout augmenté, j'ai dû rebaisser. Et même en baissant, je me fais éclater la gueule bêtement par. Enfin, c'est illogique que je me fasse buter la nuit, ça, je suis très d'accord. Mais là, les mecs, là, les bûcherons, ils arrivent, ils défoncent mes deux portes, ils montent l'échelle, il n'y a même plus de barreaux, ils arrivent quand même à monter. C'est bon, hein, si je veux jouer dans un jeu de Marvel, je ne vais pas me mettre dans Seven Day.
Enfin voilà, hein. Donc bon, bah, sur ce, moi je vous souhaite une bonne fin de soirée. À une prochaine vidéo. Bah, je sais pas quand sort 7D, mais bon. Pour l'instant, on va partir dans un autre jeu. Hein. Ça, histoire que ça me prenne pas trop la tête. Voilà, merci d'avoir suivi le live. Et puis bah, à une prochaine. Ciao, ciao.